Merci beaucoup. Donc, merci. Oui, Sam, on s'est croisé dans le train. Vous montiez vers Amiens avec tes frères. Donc, vous êtes joueurs de oud, tous les trois. Vous chantez. Et vous êtes considérés comme des ambassadeurs de la Palestine partout dans le monde, avec la musique que vous portez, qui est la musique traditionnelle de la Palestine. Et là, ici, on est dans votre atelier, dans ton atelier, je me souviens. Oui. Et là, ici, on est dans ton atelier, dans le 15e arrondissement à Paris, où tu fabriques des ouds, où tu as une collection de ouds, et où tu formes des élèves à jouer du oud. Tout ça, c'est lourd. Surtout quand tu as mentionné en fait que je suis l'ambassadeur des Palestiniens ou de la Palestine, c'est une responsabilité. Étant artiste, bien sûr, on porte un message. Il y a toujours un message à porter. Mais quand ça vient à la politique, c'est très lourd pour un artiste. J'espère un jour d'être libéré de ce poids sur notre tête et juste créer l'art pour l'art. Aujourd'hui, malheureusement, la Palestine souffre. Ça fait 75 ans que les Palestiniens souffrent. Et un artiste, il porte ce message quand il voyage avec cet instrument, avec n'importe quel art. Il porte un message que les Palestiniens méritent de vivre en liberté, comme tout le monde. Un enfant a le droit d'aller à l'école comme tous les enfants, étudier et avoir des rêves et réaliser ses rêves. Je porte ce lutte et je lutte avec, jusqu'à la liberté de la Palestine. Malgré toi, finalement, tu es condamné à faire de la politique, malgré toi. Je ne veux pas faire la politique, absolument pas. Je porte un message très humain, en fait, que chacun mérite de vivre en liberté. Je ne veux pas faire le politicien, mais je suis obligé de porter une parole des Palestiniens qui sont en prison. Gaza, c'est le plus grand prison sur cette terre. Et maintenant, avec cette guerre, ce qui est en train de se passer, je n'ai pas de parole, honnêtement. Toutes les paroles, il n'y a plus de paroles pour expliquer ce qui est en train de se passer. Des génocides, pas un génocide, des génocides quotidiens. Et je porte tout ça. Et à la fin, je porte le lutte pour dire quelque chose. Sans parole, sans texte, juste la musique, c'est très lourd. Et ça marche. Dans le sens, un jour, mon concert est interdit dans la ville natale, à Nazareth, parce que les Israéliens considèrent que ma musique est dangereuse. Sans même parler, juste la même musique. Même pas parler, même pas de parole, juste la musique. Ça devient dangereux. Parce que ça rassemble les Palestiniens ? Apparemment, parce que ma musique, c'est... Ça ressemble aux Palestiniens, oui, ça, c'est la porte-parole des Palestiniens, c'est la simplicité. C'est ça qu'on cherche, nous, les truies joubrins, quand on compose notre musique. C'est la nature de la Palestine, c'est l'odeur de la cuisine palestinienne, des plantes. C'est la parole d'un enfant, c'est la parole d'une femme qui n'arrive pas à nourrir ses enfants. Tout ça, c'est notre musique. Et quand vous fabriquez des luths, quand vous formez des gens à jouer du luth, vous avez le sentiment de lutter, de participer à la lutte ? Quand je fabrique le oud, c'est un exemple que je porte depuis 4 générations en fait. Ma famille a commencé de créer le oud en 1890, avant la création d'État d'Israël, bien avant. Et on va continuer, je suis la 4e génération et je vais donner ce message pour la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'au moment où on voudrait détruire le peuple palestinien, détruire la culture palestinienne, détruire la musique palestinienne, finalement, jouer du oud, c'est une forme de résistance. Ce n'est pas que jouer le oud. Toutes les formes d'art, la peinture, la poésie, la musique, même il y a des réalisateurs qui sont très connus mondialement aujourd'hui. Tout ça, c'est de l'art, c'est de la culture. La culture, c'est la preuve que la Palestine existe. Un pays... Sans culture, il n'y a pas de pays. Quand je veux connaître quelqu'un, je demande qu'est-ce que tu manges, c'est quoi le plat qui est créé par ta culture, ta musique, comment tu t'habilles. Pour moi, c'est ça la culture. Et c'est la preuve qu'un peuple existe, et depuis longtemps.
ça se répète. Il y a une énergie qui ça se crée. Et je ne sais pas, il y a une magie dedans. Et on a eu beaucoup de succès avec ce morceau. Ça fait maintenant près de 20 ans que vous êtes installé en France. Quand je suis arrivé en France, j'ai senti quelque chose de particulier. J'ai senti cette richesse, j'ai senti ce respect de la multiculture. J'ai rencontré énormément de gens très intéressants. Même les managers qui travaillent pour moi, c'est comme une famille, ce n'est pas juste business. C'est des personnes qui travaillent avec le cœur. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être ce sentiment a changé. Et je me demande pourquoi. Mais je pense que j'ai peut-être la réponse. La politique française a beaucoup changé. Les politiciens que j'ai connus à l'époque, comme Jacques Chirac et des autres, ce n'est pas comme aujourd'hui. Un président français aujourd'hui serre les mains avec un criminel. Pour moi, c'est très choquant. Il y a une figure que je voulais qu'on évoque ensemble, c'est la figure du poète Mahmoud Darwish, parce que je sais que vous le considérez comme un père quasiment. Mahmoud Darwish, c'est l'inspiration. Mahmoud Darwish, c'est un père dans tous les sens. Pas physique, mais Mahmoud Darwish, j'ai appris avec lui même la musique. Parce que quand elle récite ses poèmes, il y a de la musique, il y a du rythme. Ses paroles, on est en train de le vivre. Je peux vous dire qu'il a écrit un poème en 1992. Si je peux lire ce poème aujourd'hui, on est en train de le vivre. C'est quoi ce poème? Le poème, c'est un message de chef des Indiens vers l'homme blanc. Et il finit ce poème par une question. « Oh, l'homme blanc, où tu ramènes ton peuple et le mien ?» Il a mis tout le monde dans le même bateau avec tout ce qui est en train de se passer. Parce que la guerre aujourd'hui, ce n'est pas que la Palestine, c'est en train d'affecter dans toute la zone. Tout le monde est concerné. Ce oud-là, c'est toi qui l'as fabriqué ? Ce oud, c'est moi qui l'ai créé pendant que Mahmoud Darwish était là. Chaque quelques jours, il venait pour visiter mon petit atelier, ce n'était pas ici. Et chaque fois, voilà, il me dit « Oh, ça c'est sa main, ça c'est sa tête ». Et finalement, voilà, l'instrument, quand il a été fini… Donc, tu as choisi d'y mettre des colombes ? Les deux colombes, c'est le symbole de la paix. Et puis, une partie de son poème sur cette terre. De quel poème ? Le poème de Mahmoud Darwish sur cette terre, qui mérite de vie. Donc là, tu as inscrit un poème de Mahmoud Darwish au milieu de ton oud. Est-ce que tu peux nous lire Alors. على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة. Donc je lis la traduction de ce poème de Mahmoud Darwish qui est inscrit au milieu de ton oud. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es madame. Mahmoud Darwish.